La grâce du faucon. Dans ta face de paix. Ah merde, j'ai fait bugger le jeu. Bah, tu verras quand tu viendras. Je suis un peu occupé en fait. Bah, du jump, on s'en fout. Ah, bah on devait pas voir la même chose alors. Parce que moi j'ai. Parce que moi j'avais les deux portes ouvertes en fait. Ah ouais. Il va falloir qu'on passe à la ville. Pourquoi tu commences à le blinder? Bah on peut faire ça maintenant. Mmh. Après on ira voir Jacouille. On va te faire la peau. Hé, chasseur large. Je t'attends pas, hein. Je trace et oui. Je te TP. On peut passer par là. Tous les raccourcis ne fonctionnent pas. Je TP. Okay. Le Bojack, c'est une pourriture. Tu t'es pas gouré de TP? J'avais pas d'autres téléporteurs. Ah oui? Non, je pouvais prendre que le tout du tunnel. Oh, tant que. On va se les faire, peut-être que je vais monter de niveau. Ouais, tu si proche que ça, donc... Si proche, il me reste une barre 3 quarts. Enfin, une barre et quart. Plus qu'à éclater cet ennemi. La violence est un plat qui se mange froid. Ah ouais, non, en fait, j'étais... Non, c'était trop loin. J'étais un petit peu ambitieux, en fait. Déjà 17h. Oh, ça va, ça fait même pas une heure. C'est beaucoup. Moi, toi, t'es une petite tarlouse. Toi, t'es rien. Toi. J'ai préféré être rien qu'une tarlouse. C'est un titre que je n'ai pas envie d'avoir. Oh, on a encore une quête. L'épidémie est donc bien réelle et les ouvriers de la coque sont devenus fous. Comme c'est intéressant. Voyez-vous ça? Éradiquez, apprenez à construire une meilleure machine. Et faites pas de malin. Préparez-vous au combat et protégez vos flingues. Salut, imbécile. Un de mes sbires a eu une idée et j'ai décidé de l'améliorer.
Trouve-moi une foreuse laser, une interface crânienne et un capteur. Et me demande pas pourquoi. Contente-toi d'accepter que je suis plus intelligent que toi et que je sais ce que je fais. Rends-toi aux veines d'Hélios pour commencer. Encore ? Oh bah non, on va d'abord à Velia. PTP ? Oui, ça fait 3 heures que je te dis que tu PTP. T'es un gros mytho. T'es mauvais. Mon pauvre Biki. Est-ce que tu veux un gros poutou ? Évitons tout malentendu. Oh. Oui, la plupart de ces articles ont été pris sur les cadavres d'aventuriers. Je t'ai dit ? Tu pètes un câble, ça y est. Ah, tu veux un gros poutou ? Oh, T'es immonde comme mec. C'est ça. Tu me débectes à un plus haut point, mais waouh. J'ai envie de me bouffer le zizi tellement que tu me débectes. Écoute, essaye. Genre comme toi, il mérite que l'amour. Que l'amour ? Non, ça je le sais bien. Non, ça... non mais t'es con en plus, quoi. Ça... Ah, ah. T'es chiant et con. C'est... Ah merde ! Ah, c'est un cocktail chiant, ça. Ouais. Pire, c'est que tu dois le savoir, tes parents ils ont dû te le dire, quoi. Même pas. Mes parents ils m'aiment. Oh là là là. Bon, je te spoil, hein, te frapper avec un ceinturon, ça, c'est pas de la mort. C'est vrai, merde, je suis toujours cru. Et donc, t'es en train de me dire que manger dans un coin, dans un placard, de l'eau et du pain, c'est pas le grand rêve ? Non. Oh ! C'est le rêve des petits Africains, mais pas des... Mais quelle désillusion, punaise ! Putain, je me croyais avoir des repas de riches et tout, moi. Bah tu viens de gâcher mon enfance là. Non mais elle était déjà gâchée. Oh. Je t'en ai fait juste un tronc. De toute façon t'es jaloux. Oui, c'est ça. Ah parce que monsieur qui est né avec une cuillère en argent dans la bouche. Ouais. Et je dis pas en or hein parce que malheureusement niveau faciès c'est en raté quoi. Bah, qu'est-ce que... I don't know. Mon beau visage. Ça fait du drôle. Ou ces cœurs, dans la lumière.
Ah, t'as des gros dégâts de corps à corps. Non, là c'est pistolet. Ah. Quelqu'un a besoin de santé? Pourquoi détrousser les morts alors que vous pouvez tout acheter ici? Eh y'a pas. Alors ça c'est une première. Regarde dans celui-là. Pareil à tirer. Ah ouais, apparence ou aviatrice. Et en plus je l'ai pas. C'est l'heure de semer la mort. N'importe quoi ce truc là. Oh regarde, encore un truc de grenade. Oh goldé, t'as vu? A très bientôt. Si tu achètes ailleurs, je te fais assassiner. Évitons tout malentendu. Oui, il y a la MC ou MG. Eh, hey, ça me dit quelque chose celui-là. Malchanceux. Ouais. Je crois que je l'avais celui-là. Amuse-toi bien surtout. Il t'intéresse pas? Bienvenue non. Dans mon humble échange. C'est vrai? Le chien il fait plus de dégâts? Meurs pas. Non. Bah pourquoi tu l'as pas pris? Parce que je veux pas en vie. Oh t'es chelou comme mec toi. Eh, c'était mon aïe. Tu m'as fait le truc sur la gueule, c'est ça? Mon flingue. Ça fait pof. C'était mon aïe. Tu fais pas le poids. Merde, je te dis. C'est toi, c'est là. Comme dirait ma mère, c'est la fin des arigots. T'es parti un peu loin, moi. Mais c'est pas grave, parce qu'en même temps, comme ça, je fais le plein de munitions. Ouais, doucement messieurs. Ah c'est quand même bizarre qu'aujourd'hui j'entends tout le son qui vient de ton côté là. Ah. Ouais. Bizarre. Alors là. Ça c'était pas de la perfection, je sais pas ce que c'est. Non, pas de la perfection. De toute façon, t'es un jaloux. Non, c'est toi le jaloux. C'est vrai? Moi, bah, pourtant, je me sens pas jaloux, tu vois. Et pourtant, tu l'es. J'ai tout dans la vie, j'ai tout pour réussir, tu vois. Non. Tellement que j'ai ça, j'ai envie de me suicider, quoi. C'est un truc de fou, hein. Écoute, tu suiciderais, ça rendrait plein de gens heureux. Connard. Comme ça. Bon, tu serais le premier à te sentir mal. Non. Parce que tu t'auras plus d'amis après, donc. Ah ouais, mais écoute, mieux vaut ne pas avoir d'amis que d'être mal accompagné. Non, non, ça c'est pour les. Hein? Ouais. Mais non. Si. Mais non. Prudence, réserve d'oxygène à 50%.